Eh bien salut tout le monde, c'est Wolf44, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre survie Skyblock, épisode 2. Depuis la dernière fois j'ai un petit peu avancé, j'ai continué à couper du bois, continué à casser un petit peu de cailloux, j'ai récupéré un petit peu de terre qu'il y avait ici pour ensuite me faire des champs juste là, pour avoir un petit peu de nourriture, parce que c'est vrai que la dernière fois j'étais vraiment en galère de bouffe. Et donc aujourd'hui on va découvrir les îles. Là-bas, alors le mouton est tombé, il est mort, génial. Et par contre de ce côté-là, on va pouvoir aller récupérer de la canne à sucre et du cactus. Et ensuite, juste là, de l'autre côté, pendant que je mange une petite carotte, on va pouvoir récupérer le bambou et en plus, ouais, l'arbre, puis ça va nous faire quelques petites ressources en plus. Et cette... île, je veux dire, cette île là, je pense que ça va être pour l'argent, la monnaie, pour se faire un petit peu d'argent en plus. Donc sans plus tarder, on va récupérer quelques blocs et on va se faire... ouais, on boit, c'est bon. On va se faire ça, on va essayer de continuer en cailloux, mais après on va aller récupérer... ouais, on va aller voir déjà le shop, ce que ça donne, bon, enfin je suppose que c'est le shop. Parce que je... Sinon je vois vraiment pas à quoi elle peut servir cette île là, à part à ce qu'il y ait un mob, mais bon. De base c'était pas fait pour, vu qu'il n'y avait pas de mob qui avait spawné dessus. Donc on va se rendre dessus, et on verra bien ce qu'il y aura là-bas, pendant que ça ne pousse pas. Hop, on va aller sur le bout du bois. Hein. Ouais, je vais pouvoir commencer à tourner. Ok, j'ai pas du tout bien calculé. Donc du coup sur ma chaîne, je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti d'autres petites vidéos, notamment, j'ai le temps encore, notamment sur Call of Duty Black Ops 4. J'aimerais bien essayer d'autres petits jeux plutôt que d'avoir toujours les mêmes, toujours Minecraft. C'est vrai que j'ai Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, la série Black Ops a été ma préférée, bien que Call of Duty Black Ops 4 ne soit pas la meilleure, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ouais, c'est vrai que Minecraft, je me suis vraiment remis à jouer à ce jeu. Et c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Bonjour madame. Je t'aime bien. Là, tu tombes pas. Hein. Elle me fait peur. Normalement, ça tombe pas. Hein. Ouais, le bouton. Pendant que je me fais téléporter. Ici. Et ouais, je suppose que ça doit être le shop. C'est ça, je vois de l'argent. Et bien nickel. C'est bien tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre? Juste là, de la laine. Ah oui, ça c'est l'argile, le verre. Ouais, un seau de lave. Ouais, alors oui, il y a la quantité en haut. Je suppose qu'il faut appuyer là. Ouais, mais du coup, vu que j'ai pas d'argent, ça fonctionne pas. Ouais, donc là, ok. Juste ce côté-là, c'est... la terre et le caillou. Là, c'est le sable coloré et le sable normal. Là, c'est les colorants. Là, ça a l'air d'être les minerais et objets rares. Ouais, minerais jusque-là, puis ensuite objets rares. De ce côté-là, c'est tout ce qui est lié à la redstone, je crois. Là, c'est tout ce qui est lié à la nature, les arbres. Ah oui, x16 est égal à 32$. Je me rends pas encore bien compte combien, ouais, combien ça coûte. Si 32$ c'est cher pour les 16, j'ai pas l'impression que non, mais... ouais, 32, dans l'ensemble c'est 32, à sauf l'obsidienne, ouais. Ah oui, là c'est si je veux l'acheter à l'unité. Ah merde. Ah bah j'ai gagné de l'argent. Ouais bah du coup, ouais mais du coup ça m'a enlevé le... Ok, très bien. Je viens de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, ça faut aller sur les plaques et du coup ça t'enlève la... les items que t'as, ouais, parce que j'avais 4 cailloux, 4 x 2, 8. C'est bon, ça correspond bien. Donc voilà, à l'origine j'étais en train de regarder ça, la terre, on peut acheter le caillou, et là du coup je suppose qu'on peut le vendre, ouais celle. Les prix sont pas exorbitants, c'est vrai que je voulais pas que les prix soient trop élevés pour que, pas que ça me bloque, pour pas avoir besoin de farmer non plus énormément pour avoir des blocs, pour que ce soit plus simple à accéder. Ouais, de toute façon les usines à... Blaze Rod, il y a juste ça qu'on peut pas vendre.
Ça. De toute façon, les usines à mode, à mob, je veux dire, ça va être la meilleure. Donc, et de ce côté-là, c'est tout ce qui est en rapport avec l'agriculture. J'ai la rotten flèche. J'ai la gunpowder, ça je m'en fous. Spider eyes. Pff, les fils. Ouais, les fils, je vais les garder, ça peut toujours servir. De ce côté-là, j'ai du caillou en plus, mais bon, ça sert à rien de le vendre. Ça, je vais pouvoir le revendre. Bah, les pommes, du coup. 808 dollars. Hop. Il me faut de l'argent. 1002 dollars. Nickel. Putain, ça a l'air vachement cheaté quand même. Hein. Ça me donne envie de faire une usine à mob, tout ça. super. Bah, du coup, avec tout ça, je vais pouvoir m'acheter bah, du caillou. Ah ouais, je peux m'acheter ça aussi. Ouais, non, je vais m'acheter plutôt ça. Hop, hop. Puis on s'achète ça en plus. Et vous savez quoi? Parce que là, vu que je vois les cactus. Bon, allez, hop. On peut partir sur un deuxième comme ça. Je vais aller récupérer le cactus par ce principe qu'il y a là-bas. Et ensuite, je vais déjà poser tout ça là. Tac. Et ensuite je vais commencer une petite usine à cactus pour commencer à me faire un petit peu d'argent. Hop, du cactus, 6 cactus. C'était le fil qui bloque. Faut que ça pousse plus haut pour que ce soit plus joli, technique de builder. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un carré comme ça, dans lequel je vais mettre de l'eau. Donc, je sais pas si j'ai bien calculé mon coût, j'ai fait à l'arrache, mais mince. Enfin, peut-être que je me fasse une hache hein, au passage. D'habitude, je fais pas du tout dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. Ça. Je vais rajouter de la hauteur. Pour l'instant, c'est vraiment très moche, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. On va faire ça avec des slabs en pierre, parce que là, je vais... Non, juste en pierre, remarque. Parce que là, je sens que je me confondrai. Je vais m'emmêler les pinceaux. En quinconce. Pendant... Jack. Comme ça, c'est surélevé. Tout est au même niveau. Il n'y a pas de problème de hauteur, quoi que ce soit. Il y a l'eau qui passe en dessous. Donc, dans tous les cas, ça ira dans le. Dans tous les cas, ça. L'eau arrivera ici. Donc, j'aimerais bien me placer un hopper juste là. Comme ça récupère tout, mais je ne sais pas si je vais avoir assez d'argent. Donc au pire, je fermerai un petit peu de cactus. Au pire, je resterai AFK pour récupérer le cactus tout seul. Et les gars, pour l'instant, on est en train de faire la première usine, hein, c'est bien. Et on fait quand même quelque chose de propre. Hein. Tac. Petite torche là. Petite torche là. Et on va pouvoir commencer. À tomber et ensuite à placer ça. Hop. Alors attendez, je réfléchis. Où est-ce que je vais les mettre? Normalement, là c'est bon. Ouais, c'est bon là. Du coup, la première usine est faite. Alors, les pommes. Les pommes, c'est bon. C'est bon pour ça. Attendez, je réfléchis, ce que je peux vendre encore. Est-ce qu'il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5? Je crois qu'il m'en faut 5. 500, c'est bon. 2, 3, 4, 5.
Yeah. On va en mettre un comme ça. Hop, et logiquement, bon lui c'est parce qu'il est pas dedans. Dès que ça tombe, ça va là-dedans et c'est bon. Et l'usine est prête. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça récolte plus de cactus, mais l'usine sera prête. D'ailleurs, je vais rejeter un peu de cactus au pire. Je vais racheter du cactus. Je vais faire ça hors vidéo, ça sert à rien de montrer ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu pendant que je lag. Si c'est le cas, oh c'est beau avec les shaders. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me ferait plaisir. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est bien de leur dire. N'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Regardez, on me voit derrière.